Moi, président, je ferai baisser les impôts. Moi, président, je n'hésiterai pas à vous protéger, vous, les citoyens. Moi, président, mais qu'est-ce que tu racontes, Lou? Mais t'es pas président. T'es juste délégué, quoi. J'ai été élu par le peuple. C'est pas le peuple qui t'a élu, c'est ta classe. Mais bien sûr que si. Je suis président. Ben non, t'es délégué, c'est pas président. Ah, je suis que délégué? C'est-à-dire? Bah oui, t'es délégué quoi. Donc, moi, délégué, qu'est-ce que je dois faire? Bah, je sais pas, tu dois représenter ta classe, défendre les élèves. Moi, délégué, je protégerai chacun d'entre vous. Et salut à tous, c'est Roro, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La France va les qualifier pour la Coupe du Monde en 2018. Et on aussi, voilà. Donc aujourd'hui, quels sont les rôles du délégué? Et ben, ça va être de quoi on va parler. Tout simplement. Bon, tu veux être délégué, mais tu sais pas quoi faire. Tu sais pas qu'est-ce qui t'attend. Alors moi, je vais t'expliquer. Tout d'abord, en tant que délégué, tu devras soutenir ta classe, mais pas que tes potes. Ensuite, tu devras collaborer avec ton ou ta collègue, mais pas que. Tu devras aussi assister à tous les conseils de classe tout au long de l'année, généralement répartis en 3 trimestres, donc 3 conseils de classe. Mais pas que. En tant que délégué, ton rôle sera de protéger tes compatriotes, si je puis dire. Je m'explique. Yves n'a pas été sage. En tant que toi, tu devras défendre Yves parce qu'il n'a pas été sage. Ouais, bah tu devras le défendre. Ensuite, toi, tu seras la barrière entre les professeurs et les élèves. Tu devras donc faciliter la communication entre ces deux camps. Tu pourras également proposer des projets pour tes camarades. Je ne te dis pas d'aller construire la tour Eiffel. Je te dis de faire des petits projets, d'aller une sortie à la patinoire. Tu devras également respecter la confidentialité de tes élèves. Oui, parce que c'est secret des forces. Et tu ne devras non plus profiter de ton pouvoir, de ton statut de délégué, en tant que supériorité sur les autres élèves. Eh oui, il faut que je dise. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, en haut sur le net, enfin. Mais c'est sublime, ça. Ah ben, le compteur d'abonnés, ça fait plaisir. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Mais voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner, sinon, bye!